Revier, la situation est claire. Ici, il y a la mer. Là, il y a les fridolins qui avancent. Et nous, on est là, sur une petite bande de terre qui rétrécit. Oh le con! C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais arrêtez, le bon Dieu, arrêtez-la, quoi, dites-lui d'arrêter. On n'a pas idée de jouer avec des trucs pareils, quoi. Mais il va tous nous faire sauter, ce salon-là. Oh, ta gueule, toi, tu vas encore nous faire une poussée d'urticaire. Mais cinglé, je voulais. Préfère qu'il t'éclate dans la gueule. Mais arrête-toi, bon Dieu, je tiens pas à mourir, moi. Moi non plus. Français à gauche. Anglais à droite, Français à gauche. Tu voulais t'embarquer, hein? C'est ça? Ça te gêne? C'est pas ton intérêt. Calcule un peu, bon Dieu. Des bombes sur la gueule pendant toute la traversée? La petite poche se rétrécit de plus en plus. Et l'embarquement? Bah, à vrai dire, en principe, on n'embarque que les Anglais. Sacré curé, hein? Fiez-vous à eux pour être toujours bien informés, hein? Ils fourrent leur nez dans tous les trous, ces sacrés curés. Le curé t'emmerde, tu comprends? Dis donc, t'as un drôle de vocabulaire, toi, pour un ecclésiastique. Je m'adapte. Que je m'approche à la plupart des gars, c'est de s'y faire, justement. S'installe dans la guerre. La vérité, c'est que tu as peur. Tu ne veux pas rester parce que tu as peur. Tu es un lâche! Tu sais que t'es une drôle de petite garce? Si c'est ça que tu voulais, fallait te laisser faire par les autres. Allez-vous-en! On vient de se taper 200 km à pied en 6 jours. Ça vaut bien un petit week-end, non?